Putain, ces satanés anglais là, ces rosbifs là, ils se Kane là, ce pénal Kane là, trois pénaltys dans une Coupe du Monde. Et après ça me parle que c'est un meilleur buteur et ça fait que de chercher la merde en plus. Allez, faut qu'on débriefe, mais moi ça m'énerve, mais ça m'énerve. Arthur, allez, viens, on débriefe, c'est pas grave. Oh José, José, calme-toi. Non mais oh, ça m'énerve, oh, oh José. Les anglais de merde. Oh, salut les amis. On va calmer José parce que là il est en train de taper l'Angleterre tout entière. Ouais, avec cette écharpe là du 15 dollars rose, je vous la montre. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on débrief. Ça t'a l'air d'être énervé, José. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, bah, ces anglais de merde là. On s'étonne que les Colombiens ils font des fautes, mais après c'est eux qui cherchent la merde, les Anglais, en simulant et compagnie. Ils nous emmerdent en étant avantagés avec par les arbitres. Ouais, mais le sinon, faut parler du match quand ouais, même. alors le Young qui avance peut 2 mètres les ballons sur les coups francs, ça mérite jaune, je suis désolé. Alors que ça soit 50 cm le reculé ou d'avancer comme Balbona, d'accord, mais pas 2 mètres ou 3 mètres. Bon, tu parles du match, j'ai fait de jeu, tout ça quand même, au lieu Bah de alors, t'énerver. une mi-temps, des deux mi-temps de merde avec un but de chaque côté, un but de chaque côté, un Bah, quand chaque même, but. il y a eu ouais, très peu d'occasions dans ce Ah match, non, c'est les deux vrai. buts en deuxième période, voilà. Voilà, il y a eu quand même très peu d'occasions dans ce match, avec encore un penalty de Kane qui a Alors, marqué. c'est pas le meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est trop facile à Alors, marquer 6 des buts, pénaltys. dont 3 pénaltys pour Harry Kane, ça commence à Dont faire. un qui n'y est pas, les autres je m'en rappelle plus, celui-ci pour moi il n'y est pas. Hein. Ah, ça reste à discuter quand Ah même, non, il la mais joue filou, mais. tu sais pourquoi il n'y est pas? Parce que, ok, il y a faute, mais Harry Kane ne peut pas jouer le ballon. Donc pour moi, tu ne peux pas jouer le ballon, alors ça veut dire qu'il n'y a pas faute, puisque tu veux jouer. Ça joue, c'est trop facile. À moins que ça soit juin, je te mets une patate dans ta gueule, là oui, je vais siffler faute. Mais là, il y a Et il faute, le il tient le quand même, il tient. le fout quand même par terre. Oui, il le tient, mais il peut pas jouer le ballon. C'est comme l'autre fois avec Piqué, qui pouvait pas jouer le ballon, il n'y a pas eu pénalty, il n'y a rien eu. Voilà, là, il Bon, siffle. enfin bon, chacun aura son idée. Moi, pour moi, il y a pénalty. Pour José, il n'y a pas pénalty. Bon, ça, encore là-dessus, on peut encore passer. Mais c'est vrai que l'arbitrage du côté anglais a été plutôt du côté anglais, puisqu'il y a eu énormément de cartons jaunes Les Colombiens contre les qu'on tape Colombiens. pas Alors oui, beaucoup. ils ont beaucoup contesté, mais. Les Pour les mêmes Anglais. coups, les Anglais n'ont pas pris les mêmes cartons Et jaunes. les Anglais, les Young, là, qui contestent les. Comment ils Oui, c'est s'appellent ce que je suis en l'autre? train de dire, José. Alors, tu peux te calmer. Oui, non, mais il y a l'autre, là, le Lingard, là, qui fait que de contester. Alors, à un moment, je sais plus quel Anglais, il marche sur la tête à Falcao qui est au sol. Et ce connard Daniel Bravo qui dit qu'il n'y a pas faute. Bon, alors, José est très remonté contre les Anglais et contre beIN Sport. Enfin bon, donc Yerimina Égalisé à la va égaliser. 93e Alors, minute. Go, 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 go. ça faisait quand même 10 minutes que les Colombiens enfin mettaient du rythme dans ce match. On commençait à moins s'ennuyer. Et puis Yerimina pour son troisième match, troisième but de la tête. Une tête exceptionnelle. Alors, en plus d'être bon défensivement avec Davinson Sanchez, ça fait une très belle paire défensive d'ailleurs. Il vient mettre une tête exceptionnelle encore une fois. Yerimina, ils D'ailleurs, sont 1m96. il ferait mieux de le faire jouer à la place de soit Umtiti, soit Piqué, qui font que de la merde en défense au Barça. Enfin bon, donc c'est le troisième but de Yerimina en trois matchs dans cette Coupe du Monde. Et ça va donc nous emmener en prolongation. Avec du rythme, surtout côté colombien. Voilà, avec du rythme, puisque les changements ont fait du bien avec l'entrée de Uribe et l'entrée de Luis Muriel, l'entrée de Bacca aussi. Il y a aussi l'entrée de Zapata, puisqu'on rappelle quatre changements. On a le droit en cas de Mais pour prolongation maintenant. moi, il aurait dû aussi avoir un rouge en fin de match et un coup franc, parce que Falcao va au duel de la tête, prend le ballon, se retourne bien, c'est le dernier défenseur, l'anglais, et il fait faute sur Falcao, l'arbitre ne siffle pas. Je suis désolé, Enfin bon, donc il y aura quand même beaucoup plus d'impact et beaucoup plus Côté colombien. côté colombien, beaucoup plus de vitesse et de jeu vers l'avant. On aurait peut-être aimé voir un peu plus ça pendant tout le match. Ça aurait Voilà. peut-être donné un petit peu plus de chance aux Colombiens, puisqu'il y aura la troisième séance des tirs au but Et pour puis une troisième jamais prolongation. 203 et jamais Donc 203. troisième Et puis on a prolongation. vu que plus le match avançait, José, il y a non. 2 secondes. Oui, plus le match avançait, plus il y avait du rythme, plus le jeu était cassé. Voilà, bon, enfin bon. Donc troisième prolongation, troisième séance de tirs au but. Et donc on s'attaque à une troisième séance de tirs au but. Qu'est-ce que t'as pensé de cette troisième séance de tirs au but, Bon, José? encore tiré comme des merdes les pénaltys. Mais je le sentais hein, quand j'ai Bon, ils vu. ont quand même été bien Quand j'ai tirés. vu. Ouais, hein, ouais, Alors par je. contre, il y en a un, c'est le karma pour l'anglais Oh. Anderson qui arrive en jonglant Ouais, ça c'est foutage de et gueule. qui rate C'est son pénalty. comme Neymar avec la chaussure là qu'il la met sur sa Oui, mais tête, là, ce il foot rate de ça. le pénalty, il a été puni. Voilà, il a été puni, mais c'est se foutre de la gueule du monde faire ça. Après, Voilà. les Anglais donc qui restaient sur 6 défaites en phase finale de Coupe internationale.
Par contre, et donc au tir au but sur 7 compétitions, et ils vont s'imposer au tir au but grâce à un superbe. Ça faisait longtemps, oui, qu'ils n'avaient plus. Bah oui, donc c'est ce que j'ai dit. 6 défaites au tir au but sur les 7 possibles. 7 séances tir au but dernière pour les Anglais. Et d'ailleurs, oui, le dernier penalty colombien, pour moi, il tirait comme une merde. Ouais, je trouve qu'il y a quand même un très bel arrêt de Pickford, le nouveau gardien anglais. Donc, on passe tout de suite au top et au flop de José. Bah, alors, les tops, Yerry Mina. Le défenseur du FC Barcelone international colombien, très bon match défensivement, offensivement aussi, qui vient mettre sa tête à la 93e minute et qui donne espoir aux Colombiens au moment où il y a le but de gagner ce match. Et je vais mettre, pour une petite plaisanterie qui m'a fait bien marrer, parce que j'ai regardé un peu sur téléphone aussi, parce que l'autre Cron Bravo il m'a trop énervé, Vicente Lizarazu qui dit à la 93e comme il marque, c'est bien fait pour ses Anglais, il a bien eu raison de le dire. Et ça leur portera pas chance de tricher comme ça. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose dans les tops? Non, vas-y, on te laisse continuer. Les flops, alors monsieur l'arbitre, je sais pas comment il s'appelle. Monsieur Geiger, là, je sais pas quoi, bref. Alors, il avantage trop les Anglais. C'est pas parce que l'Angleterre, c'est une grosse nation. Il faut arrêter d'avantager les grosses nations. C'est comme en championnat de France de Ligue 1, avantager toujours Paris. Et ben là, c'est pareil. Parce que c'est une grosse nation, là, on les avantage. Voilà. T'as voulu mettre d'autres choses dans tes flops, là où je te rejoins vraiment. Les mauvais gestes. C'est vrai que dans ce match, il y a eu beaucoup de mauvais gestes, surtout dans le temps réglementaire. On n'a pas marché sur la tête d'un joueur, ça veut dire oui, quoi. Oui, mais aussi le coup de tête sur Anderson, après Anderson qui met un coup de tête dans l'autre sens aussi. Voilà. Bah, ça n'a rien à faire dans le foot. Anderson qui se fout de la gueule des Colombiens avec le pénalty avant quand ils jonglent. Voilà, ouais, donc ça n'a rien à faire dans le foot et ça, il y a eu plus de mauvais gestes dans le temps réglementaire que de football à proprement parler. Même pas dans le foot, dans la vie de tous les jours, ça n'a rien à y foutre ces gestes. Enfin bon, donc tu vas terminer tes flops. Avec Bill Sport, les commentateurs, alors ouais, c'est ça, je pense qu'on l'aura compris. Voilà, alors bravo qui raconte que des conneries. Alors il n'y a pas faute sur Falcao alors que le joueur se fait marcher sur la tête, Falcao. Et aussi, il dit que les Colombiens n'ont pas d'atout offensif à part James Rodriguez, alors quand il y a des Bacca, des Muriel, des Falcao, enfin voilà. Ah, des... C'est vrai que James, c'est le joueur qui permet d'avoir un peu plus de lien, c'est lui qui donne. Oui, mais bon, il dit qu'il n'y a pas de qualité offensif. Les Cuadrado, j'allais oublier. Et il dit que Cuadrado a fait une mauvaise Coupe du Monde avec son collègue, comment il s'appelle, Christophe Joyce. A fait une mauvaise Coupe du Monde. Ouais, peut-être qu'il n'a pas été tant décisif qu'on aurait pu penser, mais il a été techniquement très bien. Voilà, il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc, enfin bon, donc élimination de la Colombie, ce qui nous fait donc un autre quart de finale, le quatrième quart de finale. Suède-Angleterre, à cela s'ajoute donc un Belgique-Brésil, un France-Uruguay et Russie-Croatie. Voilà, donc on se retrouvera pour ces nouveaux quarts de finale bientôt. Vendredi. On vous rappelle le jeu concours, il faut s'abonner pour gagner le maillot. Et donc on se retrouve dès vendredi à 16h, après 16h, avec le match. Le et on espère la qualification Cocorico des Français. Le blog est d'ailleurs... Je vous apprends comme ça, à chaque fois qu'on gagnera 100 abonnés, il y aura un concours. Bon, là, on va pas le refaire parce qu'on est bientôt. Ce sera ce concours qu'on a fait là. Mais par exemple, quand on attendra 200 abonnés, on le fera. Voilà, peut-être autre chose. On verra bien. Continuez à vous abonner en masse, les amis. Et puis, on se retrouve dès vendredi. Le blog. Salut, les amis.